Attends, je regarde si je trouve un mec. Salut les gars. Je vais remettre ma jambe comme ça sur toi. Ouais, ça va, quoi. Ok, are you ready? Yes. Hey les gars, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule, je suis avec un invité. Salut les gars. Donc aujourd'hui, si on est à deux sur cette vidéo, c'est parce qu'Angelo va me maquiller. Donc il va reproduire un make-up assez simple. C'est une photo que j'ai trouvée sur Instagram. Oui, c'est assez simple normalement. Ouais, bon, de base, je lui ai demandé ce qu'il voulait faire, s'il voulait lui-même me maquiller et donc choisir un make-up. Ou alors si il voulait que je prenne une photo d'internet. Il m'a répondu qu'il voulait donc reproduire. Faire un maquillage que tu faisais plus ou moins tous les jours. Du coup, comme j'ai pas vraiment de photo de moi, de face comme ça avec le make-up, j'ai choisi une photo plus ou moins représentative. Donc je vous la montre. Voilà, c'est une photo de Kenza Zouiton. Donc voilà, si vous la connaissez certainement. Donc voilà, le make-up est assez simple. Et qu'est-ce que tu fais? Je vais commencer un peu par quoi en fait? Non, bah donc je te montre la photo, visualise-la bien. Si tu veux la revoir, tu la regardes. Mais voilà, faut que tu reproduises ça quoi. Plus ou moins. Bon, il faut savoir qu'Angelo est très pointilleux, très soigneux. Donc il y a moyen qu'il nous ponde un make-up... magnifique. C'est pas cool, commencer parce que là... Vas-y. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Donc devant lui, il a tous les produits nécessaires pour mon ravalement façade. Donc je ne lui dis absolument rien sur les produits, à quoi ils servent, etc. Il a tout devant lui. Il m'a déjà vu me maquiller plusieurs fois. Même si je suppose que tu fais pas trop attention. Non, je ne regarde pas pour tu te maquilles. Donc il faut savoir que j'ai déjà appliqué ma crème de jour. Donc c'est La Roche-Posay Effa Clair Duo. Ouais, voilà. Donc voilà, j'ai déjà appliqué ça sur ma peau, mais rien d'autre. Donc voilà, je te laisse commencer. Je suppose qu'il faut mettre un teint. Un quoi? Un teint. Bon, à savoir que je mets pas de fond de teint, donc ça, y a pas de fond de teint dans les produits. Moi je pense qu'il faut commencer par le Prime and Fine. Excusez-moi de mon anglais. T'es sérieux? Mais je sais pas. Vas-y, je te laisse. Et tu vas mettre ça avec quoi? Avec le gros pinceau. Ok, vas-y. Non, je pense pas que c'est ça que tu mets. Mais je sais que t'éponges un truc avec ton blender. Ah oui, il faut savoir qu'Angelo est très de tension, sinon la vidéo va faire 30 minutes minimum. Il y a trop de trucs devant Allez, moi. Allez, tu mets quoi? Il y a le fond de teint, mais moi j'en mets pas. Et après le fond de teint, on met quoi? Quand on a des serres. Un anti-serre? Voilà, mais cherche-le. Ça, c'est un anti-serre. Ok. De chez Nars. De chez Nars. Ok, il y en a deux, hein. Tu vas choisir. Il y en a deux, tu vas choisir quelle couleur? On va essayer voir ça. Comment ça on va essayer? Mais attends. Un sur toi, un dans... Wow, make-up artiste. Je mettrai celui-là. Ok, après que celui-là. Tu sais c'est lequel du coup? C'est celui-ci. Ok. Arrête de bouger hein. C'est de quel côté hein? Arrête de bouger. Mais je bouge pas. Si, tes yeux bougent. Ouais. Et tu fais des appels de phare. Mais tu me tapes l'œil. Ok. Voilà. Ça va pour toi? Ouais, c'est bon. Ok, après ça. La vidéo est finie. Ok, avec quoi? Avec Oula. Ok, tu... Ouais, ok. C'est ton teint. Ok. Tu ne fixes rien alors? Si, il faut fixer. Avec ça? Ok, vas-y. C'est pas ça? Ah, si, tu peux. Je t'ai déjà vu mettre un liquide. Ouais, ok. Un liquide. Un spray. Dis-moi, tu vas te mettre des yeux. Tu peux fermer les yeux? Vas-y. Moi, je dirais qu'il faut mettre ça. Donc il veut mettre le... Oula, de chez Benefit. Voilà. Donc le bronzer. Ok. Vas-y alors. On est censé sortir après, hein. On a des courses à faire.
Donc j'espère que mon make-up il sera à la hauteur. Là t'en as mis assez alors. Ah parce ça que va? Tu t'en veux plus. Non non mais ça va. J'ai un teint. Peut-être le front, attends. Le front t'as pas mis? Non. Ah, mais... Ouais, le blanc, il fallait éviter. Et après le bronzer, tu appliques quoi? Un illuminateur. Un illuminateur, ok. Donc un highlighter de chez Sephora. Tiens, en stick. Ah ouais, ok. Tu vas le mettre où? Dans la zone T. Ok, vas-y. Donc tu mets l'illuminateur sur les serres après le... Ah tu frottes avec ça. Tu peux appuyer? Parce que ça s'étale pas. Après il faut mettre un matifiant parce que ça fait quand même des petites traces transparentes, un peu translucides, je sais pas, c'est bizarre. Après l'illuminateur en stick, tu mets quoi? C'est ça, à la fin. À la fin que tu mets ça, ok. Donc après le bronzer, tu mets l'illuminateur et puis tu matifies, c'est ça? Mm-hmm. Ok. Là, je pense que c'est correct. Ok. Il y a quand même un gros contraste entre ici et là. C'est d'en rajouter un petit peu ici. Non, ça c'est transparent. Hein. Mais c'est pas grave. Ah. C'est pour bien matifier, tu vois. Ah, ouais, si d'accord. T'es bien mat. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. L'highlighter. L'highlighter, ok. Donc t'en mets où? Comme l'autre, c'est ça? Ici, ouais. Les pommettes, c'est ça? Les pommettes, je sais pas. Ok. Il tombe pas en tout. Ok. T'as acheté un maquillage de star. Ouais, vraiment? Ah, je suis trop contente. Je vais pouvoir sortir comme ça, alors t'essayes. Alors après, je te mets du rouge à lèvres. Ah, ok, ouais. Donc les yeux, tu fais pas. Tu fais après les yeux. Je fais après. Ah, ouais, ouais, c'est okay. Ouais, d'accord, ok. Et tu mets quoi? Et tu mets directement le rouge à lèvres ou tu mets quelque chose avant ou... pour dire d'hydrater ou quoi? Je vais te mettre un baume à lèvres de chez Phil Orger. Un baume à lèvres. À lèvres. Faut tirer dessus. Une fois ça suffit, ça ah. Sort beaucoup, ouais. Vas-y, viens ici. Fais un peu plus pulpeux. Voilà, j'ai rien mis. Hein. Une carpe. Hein. J'ai dit que je t'ai fait un petit teint. Ouais. Allez. Ouais, allez, ok. Je vais te mettre un rouge à lèvres qui pourrait aller avec. Ok. Ça, c'est un... De toute façon, tu dois suivre le maquillage. Hein. Oh, c'est plus compliqué. Hein. Hier, t'as dit qu'elle était tracée. Mais... Mais tu suis le trace. Ça donne quoi? Ça va? Je suis fier de mon résultat. Ouais, ok. Donc sur les yeux, elle a quelque chose d'assez... Ouais, si tu veux, on voit la photo. Nude, quoi. Ok. Donc pour ça, tu as les deux palettes là-bas. Tu mettrais bien celui-là. Celui-ci? Ouais. Ok. Ok, tu vas le mettre avec quoi? Avec un petit pinceau. C'est plus petit que t'as? Bah non. Voilà. Ça, c'est la photo. Ok. Vas-y, ferme tes yeux. Peut-être un peu trop foncé par rapport au teint. Je sais pas, ça. Je suis un peu loupé. Et quoi, tu vas mettre une autre couleur de l'autre côté? Bah, du coup, ouais, je vais. Quoi? Non, on va estomper un petit peu. Tu
cette veste, on fait comment? Vas-y, ferme ton œil. Ça sert bien, le blender. Ça va mieux? Là, c'est un peu plus estompé. C'est un peu plus estompé. Le mec nous fait des accents. Je crois que tu vas devoir te remaquiller. Non, je dois sortir comme essayer, ça. Vas-y. Il est quelle heure? Parce que si tu dois te remaquiller. Ça veut dire quoi, ça? C'est-à-dire que je mets combien de temps? En fait, je mets pas longtemps. T'es un mytho. C'est une marque de fabrique, n'est-ce pas? L'estompage, ouais. Après avoir appliqué l'ombre à paupières, tu mets quoi? Tu remets ombre à paupières, alors? Ah, parce que ça, c'est une ombre. Bah oui, ça, c'est... Et du coup, il faut mettre autre chose? Non, je te demande. En dessous, là aussi. Mais ça reste dans les brins. Mais je crois que c'était au ratine, en fait. C'est rien, l'estompeur. Là, je suis bien, tu vois. On va estomper maintenant. Pas un petit peu encore. Ouais. Oh, on dira-t-il, il y a autre chose pour mettre avec. Avec. Ah, ça aussi. Il a l'air trop fier de son travail, hein, le mec. On va estomper tout ça. On va estomper, ouais. Mais si tu te mettais de face, ah, pardon. Tu verrais peut-être mieux. Ok, ouais, ouais. Juste. Sorry! Seems to be! Attends. Ne bouge pas maintenant. Qu'est-ce que tu fais? On peut frotter un petit peu. On estompe un peu, tu vois. Hop. Hop, tu vois, ça donne bien. Je suis sûr que j'aurais pu maquiller des stars. C'est bon? Ouais, maintenant il faut mettre le mascara. Ah, c'est bien, tu sais déjà que ça s'appelle un mascara. Magnifique. Donc tu choisis lequel? Le télescope. Le télescopique. Je te le mets. Ok. Tu mets rien avant. Ouais, il faut mettre peut-être un fixeur. Un fixeur, ok. Pour en fixer. Ok, c'est quoi? C'est le. Ouais, ok. De chez NYX. Ouais. Le Big Plus Loud. J'ai peur. Ah, maman! C'est par en dessous ou par au-dessus ce truc? Arrête de bouger, mets-toi face à moi. Ok. Viens ici, donne-moi ton cil. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux, putain. Donne-moi ton cil, tiens. Ça en dit long sur les vidéos qu'ils regardent. Attention, ce que tu veux. Ferme tes yeux. Ok. Fermez. Ah oui, 2 secondes. Ok, là c'est terminé, le job est fini. Ah, c'est fini. Ok. Ah maintenant... non, c'est pas fini. Ok. Faut mettre le spray. Ah ouais, ok, d'accord. Pour finir. Préfixateur. Ferme les yeux. Oui. Bon, voilà les gars, apparemment il a fini son maquillage de pro, hein, comme tu dis. Donc je vais tout de suite me découvrir. Oh, oh. Quoi, c'est pas bien fait? Ah mais tu as vraiment été sur le dos. Ah, je suis pas main morte. Non, ouais, non. Allez, on va pas être méchant. Au-dessus, ça va. Enfin, toi, t'as un peu dépassé ici. Mais sinon, ça va. Par contre, l'highlighter vraiment sur les cernes à éviter. Voilà le make-up d'Angelo. Donc voilà les gars, la vidéo est terminée. Si jamais vous avez des mariages, des soirées, des bar mitzvahs... tout ce que vous voulez, vous pouvez consulter l'Instagram d'Angelo, ici présent. Mis à part ça, il fait des super belles photos, donc vous pouvez aller voir son Instagram. C'est Angelo Nazello, tout simplement. Angelo.nazello, mais je vous mettrai donc ça en barre d'infos. Et si vous voulez le revoir sur la chaîne, n'hésitez pas donc à mettre un pouce en n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous pouvez également aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, je vous mets mon lien en barre d'infos comme d'habitude. Et puis en attendant de voir une nouvelle vidéo, vous pouvez aller voir les anciennes sur nos voyages, etc. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!